lustre replacé dans son écrin. C'est toute la cage d'escalier. J'ai mangé un kiwi. Et maintenant il est parti. J'ai mangé un croissant. Et maintenant il est absent. Et le chef-d'œuvre de Jacques Weber. J'ai mangé un croissant. Et maintenant il est absent. J'ai mangé un croissant. Et maintenant il est absent. Bien sûr. J'ai mangé un steak cassé. J'ai mangé un steak caché. Et maintenant il est cassé. J'ai mangé un steak caché et maintenant il est cassé. J'ai mangé un steak caché et maintenant il est cassé. Non, mais non, il est chié. Ah, tu sais qu'en plus c'est le même mec qui l'a chanté. Hein. Bah ouais, bah je sais. Bah t'as pas l'air de le savoir. Bah si. Alors, voici le mandala spécial Minouchette. Papa, voici le mandala spécial Minouchette. Ouais. Et maintenant, on va faire spécial Noirode. Ouais, ouais, ouais. Bah, tu diras, elle, elle est à chaque fois noire, donc... J'ai mangé un croissant et maintenant, elle est tout. Dans les yeux noirs, ils sont couleurs d'ailleurs. Mais qu'il n'a pas souhaité vendre à d'autres personnes. Depuis qu'il est branché, il ne grignote plus. Depuis le début des années 1980, Vincent a demandé au musée de l'école de Nancy de retrouver son écrin d'origine. Grâce à ce formidable travail de restauration et de restitution du mobilier, la Villa Majorelle a aujourd'hui retrouvé son âme de la belle époque. Oui, nous souhaitions que le visiteur ait l'impression d'être invité par Louis Majorelle à découvrir sa maison et pouvoir tout redonner, ce cachet de cette maison, ou ce cachet de villa d'artiste. Oui, depuis votre batterie. Ah non, je suis venu. Oh. Non, mais il clignote tout, je suis. Papa, ah ouais, les yeux noirodes, ils sont jaune-vert, ah ouais. Les yeux noirodes. Ah, ouais. Ouais, bah, jaune-vert, bah, c'est un peu ça. Ouais. Bon, ouais, t'es déchargé. Je sais pas. Bah non, il est chargé. Tu vas aller à. Quelqu'un qui dit. Je sais pas. Clignote. C'est con, ouais. Heureusement que j'ai une coque. Bah, j'ai ta coque. Bonjour, j'ai branché. Papa, tu sais. Papa, tu sais qu'il y a des coques à Teddy. Et c'est Samsung aussi. Je sais pas si ça va tenir sur le chien. Une coque noire comme celle-là. Des vases de cette époque-là. Ces modèles seront faits à des milliers d'exemplaires. Et j'ai coutume de me demander si aujourd'hui. Aurait oui, tu peux la faire conclure de la chanter. Ne sont pas du tout. Oh, il y a un chèque là. Et bien, les gens de la vente à commerce. Et pour ces fêtards puissants et fortunés, le restaurant à la mode en 1900, c'est bien sûr celui de la rue Royale. Maxime's est une sorte d'aimant toute l'élite sociale, qu'elle soit française, qu'elle soit Loli. Du monde entier. J'avoue. Pour ce je crois que j'ai pas de noir. Au cœur de cette. Ah si. Vous avez Sacha Vitry. Vous avez Blake. Les cinq, je le rappelle. For noir rôle. Les triomphes d'être ensemble en sphère ici. La politique aussi. Que ce soit Raymond Poincaré, que ce soit Caillot, qui à l'époque était ministre des Finances. C'est ça. Oh non, bah, tout va dire. Et puis naturellement, régnant sur tout cela, vous avez toutes les courtisanes. Et il y a un chèque. Bois un font partie de ces femmes qui ont créé la légende de chez Matou. Ah ouais, non, non, de ce temps-là, c'était presque du stacanovisme de la mondanité. Il faut qu'elles soient au sommet de leur forme. Affaire conclue. Ouais. Affaire conclue. Ça n'est pas le moment. Oh ben c'est qui va nous donner la migraine. Bien vécu, c'est ouais. Ouais, tu m'étonnes. Attends. Oui, on a bien compris. Il reste toujours des gouttes sur les épaules. Gouttes sur la vaisselle propre.
is not cool. Elle va bien sur le finish. Finish top. Pourquoi? Parce que toi, t'es pas fini. J'aimerais beaucoup vous voir nu 10 minutes. Yann de Fougy, aucun problème. Et elle fait son prix. Et elle lui demande 80 000 francs or, c'est-à-dire 1 600 000 euros, pour se montrer nu 10 minutes. Je précise pour qu'il voit. Et oui, de la thune. Ah, Dieu, t'es m'étonne. Et elle, elle l'a pris. Ah ouais. C'est bien une pomme, chaud. Tu donnes chaud, pas chaud. Elle est grosse, mais toute nue quand même, hein. Et le gars, il paye, il peut payer. C'est ça qu'elle a dû le dire, j'ai redû demander plus. Paris devient Paname, capitale de la fête et des plaisirs. Ah, Paris des années 30. La cigale. Ses cafés concerts, ses restaurants et ses bouillons, mais aussi ses salles de musicaux ou cabarets. Paris est la seule ville au monde à offrir une telle palette de divertissements. J'ouvre pas le noir, j'ouvre pas Cosette. Hein. Ouais, c'était... Un pinard et goulot. Ça, c'était la France, chaud. Pinard et goulot. Ouais, tu m'étonnes. Ah, et Cosette. Ah, où va Cosette? Moi, je vais encore faire.